Hervé Juton, bonjour. Bonjour Gaëlle. Nous te recevons aujourd'hui pour la chaîne YouTube de l'EPG, École parisienne de Gestalt. Merci d'avoir accepté. C'est un plaisir, si je peux contribuer, apporter quelques informations. Oui, c'est le cas. Hervé, tu es gestalt-thérapeute, superviseur, formateur en cycle 2 et 3 à l'EPG, et tu as toi-même été formé à la psychologie gestaltiste des relations d'objets, dite PGRO. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi ça consiste, la PGRO? Oui, alors déjà, c'est un nom un peu barbare, PGRO, psychothérapie gestaltiste des relations d'objets. En fait, c'est une rencontre, hein. Une rencontre entre d'un côté la gestalt qui s'occupe du contact et puis la psychanalyse des relations d'objets qui elle s'occupe plutôt de la relation. Voilà. Or ce qu'on peut dire c'est que la multiplication des contacts dans la durée c'est la relation, ça crée la relation. C'est là que les deux dimensions ont pu se retrouver. Voilà, et la PGRO, ça apportait quoi? Ça apportait une certaine vision du non-conscient, avec donc des enjeux développementaux, une théorie du développement, qui manquait à la gestalt telle qu'elle avait été conçue à l'origine par Peirce et Goodman, quoi. Et quand tu dis qu'il manquait, est-ce que toi, ça te manquait? Parce que ce n'est pas forcément le cœur de ta formation, mais c'est une approche formative que tu as choisie. Ça me manquait parce que ça vient un peu dans mon histoire, en fait. Ça vient un peu dans mon histoire. C'est-à-dire qu'à l'origine, moi, j'ai fait un travail sur moi qui était psychanalytique. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, où sont les émotions, où est le corps, etc. Et puis par effet de balancier, ça m'a emmené en gestalt. Mais le balancier est parti un peu loin, et du coup je ne savais plus où était, comment ça pouvait s'articuler, matcher avec de la psychanalyse. Mmh. Voilà. Et depuis, tu as réussi à faire recoller avec la PGRO, j'ai pu retrouver un peu mes petits. Voilà. Donc une forme particulière de la psychanalyse, qui n'est pas la psychanalyse freudienne, trop centré, trop axé sur les pulsions, mais les relations d'objets, où là, il y a cette histoire de contact et relations, et donc les deux peuvent se rencontrer. Et aujourd'hui, le cœur de ta posture de gestalt thérapeute ou de formateur, ce serait lequel? Est-ce qui viendrait donner une couleur particulière à ta manière de pratiquer? Alors, si on rentre un peu dans le détail de ma pratique, en fait, elle est marquée par pas mal de dimensions, des dimensions artistiques, comme le théâtre, le chant, le clown, des dimensions plus spirituelles comme le tantra ou le zen. Mmh. Voilà. Et je pense que ça c'est... Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas PGRiste, je ne suis pas univoque, je serais plutôt... il y a pas mal de dimensions qui viennent nourrir ma pratique. Et ce qui m'intéresse plus spécifiquement maintenant, c'est la dimension de co-création. C'est-à-dire comment on va créer avec le client, enfin comment le binôme client-thérapeute va co-créer quelque chose. Donc tu animes en troisième cycle Résonance et Dévoilement. Pour les auditeurs là, qui nous regardent et qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire ce que tu mets derrière le mot résonance et derrière le mot dévoilement? Alors, résonance, eh bien là, quand j'échange avec vous, on est en train de créer un champ vibratoire en fait. Et donc, tout est résonance. Et dans une séance de thérapie, que ce soit une personne ou un groupe, il va y avoir plein de résonances qui vont circuler partout. Et ces résonances racontent quelque chose sur ce qui se passe là maintenant, sur ce que vit la personne. Alors, il y en a qui sont explicites, il y en a qui sont implicites. Et tout l'art, ça va être d'essayer justement d'aller chercher, de faire émerger, soutenir l'ensemble de ces résonances en s'appuyant sur l'awareness. Donc en fait, la résonance, ce travail sur les résonances, c'est un travail pour le thérapeute et pour le client d'une meilleure connaissance, d'une meilleure prise en compte de l'awareness.
Voilà. Ressenti immédiat, intuitif du chant et qu'est-ce qui se passe là, quoi. Et pourquoi est-ce qu'on l'aborde qu'en troisième cycle? Parce que c'est déjà présent dès le premier cycle, dès le deuxième cycle, ce que tu nous racontes là, cette résonance du chant. C'est présent dans la vie, Eh oui. c'est présent en permanence. Ouais. Maintenant, ça va apparaître plus spécifiquement dans le cursus de formation du deuxième cycle. Ça sera présent dans les practicums, par exemple, puisque là, on va créer une situation un peu de laboratoire, un binôme praticien-client. Et ça va se rapprocher du futur travail qu'il y aura après, quand on devient thérapeute. Et en troisième cycle, ça fait partie des fondamentaux de la posture du thérapeute, au même titre que la relation thérapeutique. D'accord. Et en relisant la description de ce stage, je lisais enrichir notre pratique avec et au-delà des phénomènes transférentiels, certains qui opposent psychanalyse et gestalt pourraient s'étonner de la présence des termes transfert et contre-transfert. Puis t'en parlais, c'est ta formation avec cette approche de psychanalyse que tu évoquais. Alors comment ces notions transfert, contre-transfert résonnent en gestalt? Est-ce qu'on peut parler de transfert, contre-transfert, d'intersubjectivité? De quoi on parle en gestalt? Ou comment en parle-t-on? Eh bien, on va parler de résonance et dévoilement. Voilà. Mais à l'origine, ce stage-là, c'est appelé transfert contre transfert, parce que la gestalt a un lien, une parenté, bien sûr, avec la psychanalyse, et toute la question, c'était un petit peu de s'en dégager. Voilà. Quand on est dans une vision encore individuelle, un paradigme plutôt individualiste, à ce moment-là, on va rester dans transfert contre transfert. Mais on pourrait considérer que transfert contre transfert, ça, c'est juste une situation particulière par rapport à la résonance. C'est là-dessus que Freud et Ferenczi avaient mis le doigt. Voilà. Le transfert, c'est un petit peu comme un fantôme qui viendrait s'inviter dans l'échange. Le fantôme, par exemple, d'un père, d'une mère, etc., et qui vient être projeté sur le thérapeute et qui risque de gêner le travail. Parce qu'un fantôme, il est là, mais en même temps, on ne le voit pas. Il est là sans être là. Voilà. Et le contre-transfert, eh bien, ça peut être la même chose du côté du thérapeute, qui, si jamais il n'a pas assez travaillé sur lui, il peut être aussi embarrassé par des parts d'ombre qui viendrait gêner le bon fonctionnement, la bonne dynamique de la thérapie. Voilà. Donc, mais ce n'est qu'un cas particulier. Alors que l'idée de résonance et dévoilement, c'est beaucoup plus large. D'accord. Alors après, on pourrait se demander comment on va traiter le transfert et le contre-transfert. Transfert quand même à l'intérieur de ce Voilà. champ plus large. Ouais. Donc si on est dans une vision encore un peu individualiste, eh bien, on va le nommer le transfert. Avec le client, on va dire, mais à qui tu parles là? J'ai l'impression que tu ne me parles pas à moi en tant que thérapeute, mais je pourrais imaginer que tu parles un peu plus finalement à ton père, c'est-à-dire ce qu'on appelle être une surface de projection, mais le nommer pour que ça apparaisse et que ça puisse, qu'on ne puisse pas se retrouver être coincé à tourner en boucle. Voilà, ça c'est une façon de faire. Le thérapeute, lui, il faudrait qu'il aille un peu plus en supervision, si nécessaire, enfin qu'il fasse un complément de boulot. Maintenant, on peut s'inscrire dans une perspective de champ. Donc à ce moment-là, on n'est plus dans une histoire de transfert contre transfert. On s'est éloigné des racines psychanalytiques. Et on va dire que ce qui se passe là est co-créé par le binôme thérapeute-client. Et donc on peut le regarder de façon plus large, ça va enrichir la posture, puisque par exemple on va pouvoir se dévoiler, ce qu'on ne ferait pas en psychanalyse. Voilà. Où on va pouvoir chercher à faire plus ensemble, où on va proposer des expérimentations. Voilà ce qui nous vient là. Hervé, les personnes qui suivent ce stage sont des stagiaires de troisième cycle, futurs gestalt-thérapeutes.
Est-ce qu'elle rencontre des difficultés majeures dans l'expérimentation au cours de ce stage? Pas des difficultés majeures, mais ça vient les chatouiller. Ça vient les À chatouiller. quel endroit ça les chatouille? Eh bien, parce qu'ils vont finalement. Il y a pas mal de mise en. Il y a une navette entre des apports théoriques et puis des mises en situation. Pas mal, justement, de mises en situation de practicum, c'est-à-dire où ils se trouvent en situation futur thérapeute-client. Et là, il faut qu'ils travaillent leur awareness, résonance. Il faut qu'ils apprennent à se dévoiler, à utiliser ce levier-là pour faire avancer la thérapie, pour créer une dynamique supplémentaire. Et là, en plus de ça, ils font ça avec leur père, c'est-à-dire en groupe. Ils font ça sous le regard des formateurs, par exemple moi en l'occurrence. Et c'est un peu challenging, mais c'est intéressant. Voilà. Ça enrichit leur posture, ça les fait progresser, même s'il faut faire un petit. Il faut être un peu dans oser faire un pas de plus. Voilà. Dernière question, Hervé. Contrairement aux pays anglo-saxons d'Amérique latine où la Gestalt est enseignée en université, en France, elle est assez peu présente, même s'il y a certaines universités qui commencent à ouvrir. Il semble exister un décalage entre l'accueil qui est fait sur le terrain, où les Gestalt thérapeutes reçoivent énormément de demandes, et la reconnaissance universitaire et médiatique. Toi, quel regard portes-tu sur cette situation? Tu la trouves exacte, peut-être inexacte? Je la trouve paradoxale. Je trouve paradoxale. C'est-à-dire que la Gestalt est sous-représentée dans les universités, où elle est présente de façon homéopathique. Il y a de l'autre côté des instituts privés qui permettent de se former en Gestalt. Le niveau d'exigence dans ces écoles est très élevé. Le corps professoral est de qualité, il est fait aussi par des psychologues qui ont été formés en université. Pas seulement, mais on a des standards pédagogiques qui sont élevés. Et en même temps, il y a quelque chose qui ne se fait pas pour l'instant, qui est la non-reconnaissance des pouvoirs publics. Et c'est ça qui est paradoxal. Donc, il y a une espèce de frilosité par rapport à ça. C'est dommage. C'est dommage parce que ça pourrait servir à tout le monde. Voilà. C'est une approche de thérapie qui est solide, qui finalement n'aurait plus vraiment besoin de se justifier. Bien sûr. Tellement elle a fait du boulot dans plein de pays et fait aussi un vrai travail sérieux, solide, voilà. Il y a un support théorique à ça, il y a des recherches qui sont engagées, donc c'est une situation qui est un peu bizarre. Et moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'à un moment, ça évolue, parce que ça sera, ça ouvrira encore plus à la fois pour les gens qui veulent se former, que ça soit via l'université ou encore dans des écoles privées. Et puis, ça sera aussi un bénéfice pour les clients, voilà. Donc, c'est ce qui est paradoxal, en fait. En tout cas, à souhaiter que la situation évolue. Voilà, donc, je ne sais pas, la situation... Je ne sais pas si le parallèle est juste, mais la situation des... Parce qu'on n'est pas tout à fait dans le même univers, mais la situation des ostéos pendant des années, voilà, c'est resté en retrait... La situation sophro, c'est rester en retrait, etc. Et c'est comme si il fallait, peut-être en France, un temps de gestation plus long, de reconnaissance beaucoup plus long, alors que ce n'est plus un sujet, c'est même un non-sujet, par exemple, dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis. Et pas que aux États-Unis. Bien sûr. Hervé, merci beaucoup pour cet éclairage. Plaisir. Bonne journée. Merci.